Une heure en moyenne de travail aujourd'hui crée 70 euros de richesse. En moyenne, on n'en touche que 18. C'est parti, la différence. Vous parliez de Marx ? Ah, ça s'appelle la plus-value. La grande découverte de Karl Marx, en l'occurrence, c'est ça, c'est de nous expliquer que entre à la valeur ajoutée que nous donnons aux biens, aux choses, aux prestations, aux services sur lesquels nous travaillons et notre salaire, il y a un différentiel considérable. Tous autant qu'on est, entre le moment où on embauche, notre prise de service et notre fin de service, on valorise quelque chose. Soit on fabrique quelque chose avec des outils et des matières qu'on nous a mis entre les mains, soit on les complète, soit on les performe, soit on assure une mission, on les a valorisés. Et entre cette valeur ajoutée-là, dont nous sommes les uniques responsables, et notre fiche de paye, il y a une différence considérable. Si on s'arrêtait de travailler en moyenne dans la journée, là où s'arrêtent nos fiches de paye, on arrêterait de travailler en mi-journée. Le restant, on travaille gratuitement. C'est le surtravail qui est à l'origine de la survaleur et donc du profit. Personne d'autre, ni le PDG de Total, ni aucun conseil d'administration.